Ce qui est assez incroyable en collant dans cet hôpital abandonné, c'est que j'ai l'impression d'être le premier à mettre le pied dedans. Et j'ai l'impression que c'est la même chose pour chaque personne qui vient et qui visite. Ce qui m'a le plus fasciné, c'est d'être au cœur de New York et d'avoir un endroit comme ça qui reste abandonné pendant plus de 70 ans. Un endroit où, littéralement, les derniers immigrés qui sont rentrés, ensuite on a fermé les portes, il y a eu quelques prisonniers ensuite, et puis ensuite plus personne pendant toutes ces années. Je ne m'attendais pas à trouver un endroit comme ça. On a l'impression qu'il faut voyager à l'autre bout du monde pour trouver des endroits comme ça. Ou alors, ce type d'endroits sont devenus des musées rénovés, stérilisés. Donc, moi, je ne ressens pas cette même histoire. Alors qu'elle y est passée pourtant. Mais ici, on marche à travers les couloirs et c'est comme si, voilà, il y avait encore les âmes qui erraient. Pour moi, c'est un lieu historique, un endroit de rassemblement pour tout ce qui s'est déroulé ici, toutes les personnes qui sont venues ici, ceux qui ont travaillé, les docteurs, les infirmières, les patients, ceux qui ont souffert, ceux qui sont morts, et ceux qui ont guéri et ont pu construire une nouvelle vie en Amérique. Donc c'est un endroit très symbolique. Ouais,